大家好，甘蜜读法语绘本。今天的故事是《La peur bleue de Thomas》。Peur bleue， 蓝色的恐惧，就是它，就是害怕的意思。出版社米龙。故事作家是 Céline Berson， 插画师 Marie Gaudry。开始了。Depuis qu'il est tout petit, Thomas a une peur bleue qui le suit. Quand Thomas l'oublie, hop, soudain, la peur bleue revient. Comme le soir, quand la lumière s'éteint. Dans le noir, la peur bleue danse sur le plancher, fait de la gymnastique au plafond ou se pose sur l'oreiller. Elle n'est jamais fatiguée. Souvent, Thomas essaie de gronder sa peur bleue. Il lui dit « Va-t'en, tu m'embêtes !» Mais la peur bleue secoue la tête et reprend du poil de la bête. Le matin, elle se glisse dans le cartable de Thomas pour l'accompagner à l'école. Là, elle attend patiemment le bon moment pour se montrer. Comme aujourd'hui, quand Thomas récite sa poésie, la peur bleue est cachée derrière le tableau. Vous ne craignez pas ? Plutôt dans quelle là ? Oui, ici. Thomas voit son pied bleu qui dépasse un peu. Ça le fait bredouiller. La maîtresse dit : Allez, Thomas, respire et ferme les yeux. Ça va aller mieux. En fermant les yeux, Thomas fait disparaître sa peur bleue. Les mots de la poésie reviennent au galop. Bravo ! La peur bleue a pâli. Elle a compris que Thomas était le plus fort aujourd'hui. Quand la sonnerie retentit, la peur bleue trotte sur les talons du petit garçon. Elle le suit en récréation. À cause d'elle, Thomas ne sait pas s'il a envie de jouer au ballon. Thomas fonce vers sa peur bleue et lui dit « Fais ce que tu veux, mais moi, je joue au ballon, que ça te plaise ou non !» Et bim ! Il lui donne un petit coup de ballon sur la tête. La peur bleue est ratatinée. Toute froissée. Bien fait. Ce soir, dans son lit, Thomas voit sa peur bleue approcher. Elle a rapetissé. Il soupire. Laisse-moi tranquille. Je veux dormir. La peur bleue prend un air étonné. Hop ! Thomas attrape son mouchoir et la recouvre. Plus de peur bleue. Enfin, pour quelques minutes seulement, Thomas a envie de faire pipi. Pour se rendre aux toilettes, il va devoir marcher dans le couloir sombre, sur le parquet grinçant. La peur bleue ressurgit. Les bras croisés, elle attend. Thomas réfléchit. Il ne va quand même pas faire pipi au lit. Ouf ! Mission pipi accomplie ! De retour au lit, Thomas cherche sa peur bleue. Elle a encore rétréci. C'est une peur de poche. Une peur de compagnie. Il lui dit « Allez, grimpe dans le lit !» Puis, il poursuit. À partir de maintenant, tu vas m'écouter. Thomas saisit sa montre sur la table, le chevet, et ordonne. Hop, saute comme un lion dans le cerceau. La peur bleue obéit aussitôt. Elle a enfin compris. Fini de se croire tout permis. Le petit garçon l'a dompté.
Depuis cette nuit, la peur bleue de Thomas est une peur miniature qui ne l'empêche plus de vivre de grandes aventures. Voilà, 今天的绘本故事读完了。小朋友，你们有时候会害怕吗？ Est-ce que des fois, vous avez peur aussi? Eh bien, il faut faire comme Thomas. Il faut dompter sa peur. Allez, je compte sur vous. On est courageux? 如果你们有时候也会害怕的话，没有关系，我们可以害怕。但是我们要战胜它，像豆妈一样那么的勇敢。来，我们一起加油。下次见。